Parfait. Là, en direct, on va laisser le temps aux personnes d'arriver tranquillement. Moi, ça me laisse le temps de partager le lien. Je vais le partager. Le premier lien que je vais partager, c'est dans le chat. Attends, faut que je cherche. Il est là. Faut que je descende. Tu aurais pu me donner plus de visibilité quand même, toi. Hop. Copier le lien. Hop, ça c'est moi. Est-ce que je. J'ai pas envie de me voir en live. J'ai envie de commenter. Voilà. Partager. S'il vous plaît. Hop. Là, tu vas me voir mon commentaire apparaître normalement. Hop. Non. Oh. Bah, pourtant, je vais juste de le publier. Pour base. Faut pas que je me trompe. C'est pas ce que je pensais. Mince. J'essaie de te taguer, il m'a trompé mon nom, lui. Jacques, est-ce que tu vas me le mettre? Faut vraiment que j'aille le chercher loin, ton truc. Excuse-moi, mon téléphone, il me fait un peu de caprice. Bah, c'est que je veux taper ton. Je veux te taguer, mais il veut pas me le mettre. Le seul truc que je vois, c'est marqué Goyette Jacques Notaire. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Je pense pas que ce soit ça. Non. mais pourquoi il veut pas te taguer? Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas te. Ah bah oui, normal. Il a oublié de me mettre un C sur ton nom. Hop, Hein? mince. Hop, et voilà, ça c'est partager le lien. Je l'ai partagé sur mon mur et je vais le repartager sur la page. Comme ça. Hop. Je vais te l'envoyer en MP si tu veux. Je t'envoie le lien en MP au cas où si tu veux le partager de ton côté. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça, là. C'est vrai que j'ai Instagram, tout ça, je peux aller le faire vite fait sur TikTok. Et dire venez à notre rencontre. Avec un beau sourire. Je fais le screen en même temps, j'ai le bon sourire. Bah, je vais mettre sur TikTok avec de la musique, allez, venez nous rejoindre. C'est pratique d'être sur toutes les plateformes, mine de rien. Ah ben oui, c'est sûr. Bah, j'ai. En même temps, j'ai pas vraiment le choix pour pouvoir vous aider, donc je suis obligé de toucher à tout. Même si c'est pas facile, hein, mais vraiment, hein, c'est. J'espère que tu m'as pas perdu. Ah. J'arrive pas. Ça, c'est sûrement moi qui t'ai tagué, t'as dû recevoir la notification. Ouais. Hop, je vais l'arrêter dans le groupe. Je leur ai demandé s'ils peuvent le partager pour moi. Hop. Pourriez-vous partager le lien pour le live avec Jacques Goyet? Vas pas écorcher le nom, toi? Mince. Ah, mais c'est pas possible. J'ai du mal avec le lien aujourd'hui. J'ai l'impression que Facebook il bug, mais c'est violent. Après, si tu veux qu'on commence, même s'il n'y a personne, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme tu veux. Hein, moi, ça me dérange pas. Si tu veux qu'on attende encore un peu, on peut attendre un peu. Ça me dérange vraiment pas. Moi non plus, ça me dérange pas du tout. Oh, au pire, on va parler quand les gens arriveront, ils poseront des questions et Ben, ils c'est seront ça. contents.
Ah ben il y a des gens, Bon. moins une personne qui est arrivée, je ne sais pas c'est qui, mais bonjour à cette personne, bienvenue sur le salon. Bah je vais commencer tranquillement et quand ils arriveront, bah s'ils ont des questions à poser, ils les poseront et sinon bah je t'en poserai, il n'y a pas de souci. Déjà merci de nous avoir rejoints pour le salon virtuel Autant en liberté 2022. J'ai la chance de rejoindre Jacques Goyette qui va nous parler de lui, on va parler de ses livres, on va en apprendre plus sur sa personne. Je vais le laisser se présenter tranquillement. Et bonjour Scarlett et Coffee. OK, bon. Mais moi, je suis auteur de thriller depuis 2014. 2014, j'ai commencé avec ma trilogie. Plusieurs me connaissent par rapport à ça. Il y avait, entre autres, et c'est pas facile de le regarder en même temps. Il Ah, y avait avec les écrans, c'est Cristal. avec la caméra, c'est pas facile. Oh. Hey, il a l'air d'être bien épais, ton bouquin. Ah ouais, il y avait l'Archange. Ah, Et elle est belle, il y là. avait l'Artiste. C'est une trilogie. C'est une trilogie avec une agent du FBI, Karen Newman. J'ai mis ça un agent du FBI parce que je lisais surtout des romans américains dans ce temps-là. J'étais pas trop favorable pour les romans québécois parce que des romans québécois qui racontent l'histoire d'une famille en 1939. Ça m'intéresse pas. Bon. Moi, je cherchais des auteurs québécois de thriller. J'ai trouvé à un moment donné, là, c'est lui qui un peu m'a fait changer d'idée de que les thrillers québécois, c'était plus ou moins. Et ben, avec Martin Michaud, ben, ensuite, j'en ai trouvé d'autres. Et puis, je me suis dit, bon, ben. Il n'y a pas l'air d'y en avoir tellement que ça qu'au Québec, avec je vais compétitionner les auteurs québécois francophones de France, les auteurs francophones de France comme Minier là, Elle est qui fait bon. des trailers. Et bon, et puis Elle a une sacrée plume. Musso. Et Musso, en tout cas, il y a beaucoup d'auteurs français. Il était publié dans les librairies ici, là. Puis nous, les Québécois, les thrillers québécois, il n'y en avait presque pas ces tablettes. Bon, je me suis dit, ben là, je vais faire ma contribution, puis je vais m'y mettre moi aussi. Et puis, ben, c'est ça fait une thriller. Comme je débutais en 2014, puis j'étais un inconnu, ben, j'ai pas vendu tellement. L'éditeur ADA m'a dit que ça se limiterait à une trilogie, puis que il fallait que je fasse d'autres choses parce que ça ne se vendait pas bien. Bon. Alors, j'ai laissé ça, cette trilogie-là, j'ai laissé ce monde-là que j'avais créé, puis bon. J'ai essayé de me diversifier dans d'autres choses, et ça n'a pas mal bien marché. Ça fait que. J'ai été, disons, 6 ans, 7 ans, 6 ou 7 ans. Mais en 2014, on est dans 2022, c'est ça, 7 ans que j'ai pas vraiment réussi à publier rien. Entre autres, j'avais celui-là que je viens de publier. Je l'avais. Voyons. Okay, la caméra, là, c'est pas facile. Ah, c'est vraiment pas facile avec la caméra. Non. Bon, et celui-là, là, il était en chantier depuis au moins 3 ans. Et j'ai commencé avec une auteure. On a commencé à deux sur ce roman-là. Ça s'appelait La rivière du diable au départ. Ah, j'aime bien le titre en plus.
C'est une vraie rivière qui existe au Québec, Oh. dans les Laurentides. Hein? La rivière Rouge, soit la rivière du Diable. Oh, je savais pas. Et puis, puis dans ce coin-là, la rivière du Diable, il y a des Algonquins, des Autochtones, et ils ont une légende qu'ils appellent le Wendigo. Le Wendigo, c'est un comme genre un monstre, Une sorte de sang de chèvre. genre un bonhomme sateur, genre, je sais pas comment c'est qu'en France, si vous avez comment est-ce qu'ils appellent ça, donc, vous avez quelqu'un, vous autres aussi, un monstre dans les montagnes, là, qui vit. Ah, le Dahu. T'as le Bigfoot, t'as le Dahu, t'as plein de trucs. Franchement, en France, C'est c'est en ça, le sorte des Bigfoot. vers et des pommes. Le Bigfoot, Hein, OK. le t'as le Alors, Squatch. Hein. le Bigfoot avec les c'est du moins. Eux, les Algonquins disent que c'est le Bigfoot du diable pour dompter ses victimes. Ils s'en servaient comme un cimetière. Alors, Oh. il dompait les restes, il en mangeait un peu, puis il dompait les restes dans la rivière. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé la rivière du diable. C'est un peu comprenable, hein. Tu dis tu vas à la rivière, en fait c'est des catacombes, tu fais ouh, tu te baignes un crâne. Et puis, ben là, moi, je me suis fié sur cette légende-là pour écrire ce roman-là. Et puis, a évolué, évolué, évolué. Puis, c'est devenu un polar de gens, d'une organisation qui vend de la drogue dans les Laurentides. C'est des distributeurs de drogue et puis de producteurs de drogue dans les Laurentides. Et en même temps, c'est un humain. OK? Ils vendent à peu près de tout, incluant les prostituées et tout ça. Alors, moi, j'ai fait ce genre de roman pour diversifier la légende algonquine. La légende algonquine, c'est bien beau, mais ça passait, disons, québécois, tu sais. C'est bien beau, mais. Alors, j'ai plus fait ça dans le genre. J'ai changé le nom d'ailleurs. Dark River. Dark River, ça se trouve être l'endroit où ça se passe, tout ça, là. Oh. C'est proche du Mont-Tremblant. OK? C'est ça. Là, il y a un tueur en série là-dedans, là, qui fait des victimes l'un après l'autre, puis qui fait semblant de passer ça sous le nom de Wendigo. Un petit malin. Alors, Vraiment petit malin. il se sert de ça, puis je ne vous dirai pas comment est-ce qu'il se fait attraper, mais c'est ça, l'intrigue là-dedans, c'est ça, c'est de savoir comment est-ce qu'il va se faire attraper, ce fameux tueur en série qui se fait passer pour un monstre, un Wendigo. Hein? J'ai Patricia Les Olivier qui dit vos livres m'intéressent. Et puis la deuxième chose qu'il y a là-dedans aussi, c'est que il y a bon, disons, un psychiatre, en tout cas, un psychiatre, ouais, on va dire, qui a parti dans les Laurentides aussi, lui, pas loin de Dark River. Et ce psychiatre-là fait des expériences sur le cerveau. OK? Il a commencé à travailler pour l'armée. C'était un projet qu'il y avait pour l'armée au début. Et l'armée a jugé que c'était parce que la moitié de ses patients crevaient. Alors, l'armée a dit non, c'est pas contre le système. Alors qu'ils Alors l'ont c'est la donc. réalité des choses, les trois quarts d'heure, ils s'en sauvent qu'une partie. Il Ouais, ne va pas avoir donc une mauvaise image. non, surtout pas.
Et parce qu'il y aura une subvention aux autres du gouvernement, puis si ça se sait, c'est fini. Ouais. Avec le fameux psychiatre, continuez à le faire quand même, ses expériences, électrochocs, d'injection de drogue, toute sorte, sa clinique privée. Et puis, sa clinique privée, il l'avait installée dans le coin de Dark River. Et lui, il contribuait aussi au meurtre, les meurtres du Wendigo. Parce il s'était accoquiné avec le tueur en série. Puis là, les autres, chacun faisait ses petites affaires, puis ils dompaient les corps dans la rivière. Alors, C'est des bons alors, les amis. enquêtes. Alors, les enquêteurs de la SQ se sont dit, ouais, il faut bien que ça arrête cette histoire-là. Là. On est devenu un cimetière public et il y a presque plus de monde qui veut vivre à Dark River. Le monde s'en va tout. En même temps, t'habites Point à étonnant. River, là, t'arrives, bing, oh, on fait de la place, nouveau voisin. Point étonnant, là. Une belle histoire, en tout cas, ça a l'air de vraiment prenant, hein, fallait vraiment y penser. D'ailleurs, c'est quoi qui t'a inspiré pour que t'écrives justement ces livres-là? C'est ça. C'est la légende algonquine que je sais pas comment ça se fait que j'ai tombé là-dessus. Moi, je m'informe surtout pour écrire mes livres, pour trouver des sujets. Je m'informe surtout de l'actualité. Hein. Il y a été un temps, je lisais le journal de Montréal tous les matins au restaurant en déjeunant, et là-dedans, il y avait des nouvelles bizarres, puis toutes sortes d'affaires qui se passaient, là. Maintenant, à cause de la pandémie, il n'y a plus de journal de Montréal le matin au restaurant. Alors, je ne peux pas continuer là-dessus. Alors là, je vais sur l'Internet. Mais au départ, mes séries, mes lectures sont sur les actualités. Alors, je trouve des choses qui me paraissent comme dans Cristal, c'était un peu. Non, ça, c'est pas Cristal. Dans l'artiste, il y a eu un vol à un moment donné d'un tableau. Un tableau célèbre de Picasso en Égypte, dans le musée de je sais pas quoi, dans l'Égypte, là. Il y a eu un tableau et puis ils l'ont jamais retrouvé. Alors, moi, j'ai enchaîné avec. Le titre, c'est l'artiste. Et puis, j'ai développé cette histoire-là de tableau volé en Égypte. Et puis, j'ai fait la filière. Ils disent toujours suivez l'argent. J'ai fait la filière les tableaux qui se vendent, les copies, et puis les originaux qui se vendent sur le marché noir. C'est qui fait ça et tout ça. Et puis, j'ai établi un réseau de vente de tableaux et de pièces d'art. Et puis, ce sont des criminels. Puis, là-dedans, ben, si tu te trouves dans leur chemin, ben, ils t'éliminent parce que là, ils veulent pas savoir que leur petit commerce se termine. Alors, Ah ça, ben, c'est encore normal, là, c'est ce qui leur rapporte du pognon. Avec encore là, c'était une nouvelle que j'ai vue dans les journaux sur le tableau qui était disparu Ah mais depuis quand même, longtemps. de juste pour un texte ou juste une revue, t'arrives, tu te fais un livre. C'est pas tout le monde qui peut le faire, ça je le sais. Mais d'ailleurs, c'est pas facile d'écrire sur de l'actualité. Même d'essayer de rester Ah non. dans le réel, parce que tu essaies de faire en sorte que ce soit vraiment que ça puisse coller. C'est vraiment pas évident et chapeau à ceux qui font ça parce que franchement c'est pas chose facile. Hein. Moi je sais que j'ai un tel que je travaille, c'est pareil, je suis obligé de me baser sur des faits réels. Ben, j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de conclusion parce qu'ils savent pas ce qui s'est réellement passé. Donc moi ça me permet derrière de pouvoir développer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, hein. Faut avoir du Ouais. savoir-faire. Oui, et puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à écrire, parce que je trouvais toujours que
les auteurs de Polar, puis de Thriller, puis de genre policier, c'était voici des indices. Il y a une personne qui se fait tuer au début, puis là, il y a des indices. C'est Là, toujours il cherche pareil à la longue. l'intérêt. Là, il rencontre une autre personne. Et puis, voyons qu'est-ce qui est arrivé. J'ai accroché ma souris. Et il rencontre une autre personne, et puis là, encore là, ça un indice, après un indice. Et puis là, il trouve que ça peut être une telle personne qui peut-être aurait pu faire ça. Là, il faut qu'il trouve des preuves sur que cette personne-là. Il faut qu'il trouve l'arme du chose. Alors, c'est tout le temps la même affaire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben là, je me suis dit, Ah, c'est moi. chiant, hein. Moi, je veux pas être méchant. Moi, c'est ce qui me blase, que ce soit au niveau cinématographique ou littéraire. Quand tu lis toujours les mêmes choses, à la longue, t'en as marre, hein. Je veux pas être méchant, mais les Oh, trois quarts, c'est c'est ça. Tu lis, tu fais, ouais, mais t'as peut-être écrit quelque exact. chose, mais on dirait que t'as écrit le livre de lui, juste à modifier tes trucs. C'est nul. Chez moi, tu me fais la même chose, je Ben, t'écris tous les livres que tu veux, il n'y a pas de souci, hein. ouais, Mais j'appelle c'est pas ça de la ça. littérature. Moi non plus. Et là, je me suis dit, ben, je vais écrire, moi. Ah, t'as bien Voilà, ben, fait. on va voir ce que ça donne. Mais là, le problème là-dedans, c'est que moi, je suis un inconnu au début, là. Et puis, la compétition est féroce là-dedans, hein. La compétition est très féroce. Et puis, les éditeurs, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà leur vedette. Quand je t'ai parlé de Martin Michaud tantôt, ben, il y avait déjà leur vedette dans Goélette. Ça s'appelle. Il y avait Christine Brouillette dans une autre maison d'édition. Il y avait. En tout cas, dans ce domaine-là, là, je parle dans le policier, il y avait déjà tous leurs vedettes. Alors, moi, j'arrive avec mon roman, un inconnu, je leur propose quelque chose de différent, puis là, ils me répondent tous, c'est pas ce qu'on cherche. Mais c'est parce que t'es pas Alors. dans le moule, justement, c'est ça le problème, c'est que les maisons d'édition, ils ont trop de moule. Donc quand ils voient quelqu'un à l'extérieur, ils disent, ah oui, mais lui, il paye, enfin, c'est lui, non, faut pas le prendre, on va le laisser de côté, il se démerde. Non. C'est, pour C'est moi, une ça. maison d'édition, ça devrait pas chercher à dire, oh, c'était le terme. Ok, t'as tes barèmes, je suis d'accord, mais rester ouvert, c'est des auteurs, c'est pas possible, ils viennent d'arriver, que t'as pas le droit de leur donner la chance. Moi, je sais pas, j'ai une maison d'édition, je laisse la chance à tout le monde, je m'en fous, littéralement. Du moment que c'est bon et que le mec a envie, tu l'accompagnes, c'est tout. T'as pas à te dire ou non, il va pas m'apporter du pognon. C'est le problème du jour actuel, justement, c'est que trop les maisons d'édition, Ben, c'est les ça. grosses compagnies sont justement trop focalisées sur l'argent. Et les nouvelles qui arrivent, comme Évasion d'édition, Dream Workshop, je peux en citer plein, mais il y a plein de nouvelles maisons d'édition qui ouvrent, qui sont plus proches des coopératives et du côté humain que du côté business. Ah ouais. Ouais. Et moi, c'est des gens, Donc, c'est ces moi. gens-là que j'ai envie de remercier parce qu'ils aident les éditeurs, les auto-éditeurs, qu'ils soient édités ou auto-édités, ils vont les aider pareil. Sauf que derrière, ils vont Ouais. t'aider, toi, ils lisent, ils se prennent la tête, ils t'accompagnent. S'il y a un truc qui ne va pas, ils vont quand même juste te le suggérer. Ils ne vont pas te dire de l'enlever, mais ils vont te demander de suggérer si tu peux modifier ça, ce genre de choses, mais ils ne vont jamais t'enlever tes droits d'auteur ou je ne sais quoi, quoi. Contrairement aux industries aujourd'hui, c'est tu touches quasiment rien pour le travail que tu fais. Il y en a même une. Il y en a même une, parce que c'est une éditrice chez Guy Saint-Jean, je n'amène pas le nom de la personne, chez Guy Saint-Jean, l'éditeur, j'y envoie ça, moi, celui que je viens de publier. J'y envoie une évaluation en me disant, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça comme défaut, c'est très bien composé quand même, vous avez un bon style. Mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est toujours la même réponse. Et après, j'ai su qu'elle a publié quelque chose en plein dans le même genre policier. Non, mais ça, c'est dégueulasse, par contre. De piquer les idées des autres et de plagier et de faire croire que c'est les autres, non, c'est pas bien. J'en connais des auteurs qui t'ont fait ça et ça fait des histoires de fous pour rien. Évitez de plagier, de copier les gens. Déjà, ils vous laissent la chance de lire leur script ou de partager avec vous. Allez pas piquer les idées des autres. Je veux pas être Ben, c'est méchant, moi aussi. J'en connais plein d'auteurs qui me donnent des idées. Je pourrais aller les copier et faire, tiens, je l'ai sorti avant lui. Mais ça m'intéresse pas. Chacun son truc. Laissez la chance aux gens d'avoir exploité leur truc, d'en profiter. Allez pas leur C'est voler vraiment leur pas rêve. correct.
C'est vraiment pas correct, ça. C'est que c'est ça, tu sais. Bah, le Oui, monde c'est. actuel, c'est ça, que ce soit dans la filmographie ou dans le monde littéraire, t'as beaucoup de gens qui se marchent dessus. Alors qu'on fait tous la C'est même chose, vrai. on devrait s'aider au lieu de s'entretuer. On est tous à la même égale, hein. C'est pas qu'il y en a un qui écrit mieux que tout le monde. On est tous pareils. Il y a des bons. Après, il y a des moins bons, mais ça, c'est autre chose. Mais pour moi, on est tous à la même égale, hein. T'arrives, tu sors un livre, t'es écrivain, point. Que t'en aies sorti 60 ou que t'aies une super notoriété, tu ne vaux pas mieux qu'un gars qui vient d'écrire qui n'a pas encore sorti son livre. C'est ça, On est c'est sûr. humain. Oui, on est humain, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le fait que il y en a qui ne qui ont un style qui disent québécois avec beaucoup de sacre dedans et puis Ouais. avec des québecticismes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, Ouais, mais je vois, mais c'est débile. Ça n'a pas du tout le rapport dans le c'est. Québec, hein. Tu sais, et puis là, ceux-là, à cause qu'ils font ça, Non, mais c'est c'est les vrai. éditeurs l'annoncent comme québécois, pure laine, et puis là, ils mettent ça là-dedans, puis c'est mal écrit, c'est effrayant. J'en ai lu quelques-uns, là, puis c'est mal écrit, vraiment. Je me demande comment ça se fait qu'un éditeur peut publier une telle chose. Vraiment, là, il y en a Bah, c'est des. parce que ça se vend. C'est comme on regarde les femmes plastifiées, ceux qui ont du botox, tout. Après, il en faut pour tous les goûts, mais aujourd'hui, la société veut que les gens soient parfaits. Donc, faut que tu sois un stéréotype parfait, faut que tu sois comme ci, faut que tu sois comme ça. Ceux qui rentrent dans le moule, ils sont Ouais. parfaits. Mais du principe que tu as le malheur de penser autrement, là, ça complique les choses. Il y en a un qui publie actuellement l'histoire de sa mère, là. Tu sais, je ne sais pas que c'est ce que je veux dire. Le mot. Ouais, je ne vois pas qui. Comment ça s'appelle donc? En tout cas, le titre, c'est. Ma mère est une super bon de ma mère. La mère, en tout cas, ça a un rapport avec sa mère. Puis là, il déblatère là-dessus pendant des pages et des pages et des pages. Ah oui, non, c'est sûr. Et Est-ce que sur puis, ça, c'est nul? c'est sur le palmarès depuis oh, au moins 5 ans. Et c'est toujours ses tablettes. Bah, Il y en moi, a qui lisent. honnêtement, Il y en a qui lisent j'ai ça. vu des. Moi, quand je vais dans les librairies, tu vois toujours les mêmes trucs. Je veux pas être méchant, mais tu vois toujours les mêmes trucs. Déjà, Tari, t'as Stephen King. Je veux pas être méchant, mais le premier truc que tu vois, c'est Stephen King. Si tu vois, par exemple, Patrick Sénécal, tu vas voir plein de Patrick Sénécal. Mais il y en a beaucoup, quand tu regardes, qui veulent juste se faire publier dans les librairies. Eux, ils te le mettent dans un coin où t'as personne qui voit rien, ils te posent le livre. Tu vois, ouais, mais Ouais. pourquoi lui, tu vas le cacher, alors que les autres, tu le caches pas? Parce qu'ils n'ont pas plus de livres. Mais normalement, quand tu fais un contrat avec quelqu'un et que tu viens juste de l'avoir, tu es censé le mettre en évidence. Normalement, tu es dans Exact. une librairie, tu n'es pas juste là pour vendre. De base, tu es censé parler de tes livres, de vendre les auteurs, de les aider. C'est pas tu restes posé ton cul derrière une caisse à dire oui, je vais le faire et tu le fais pas. Parce que moi, les trois quarts que j'ai été voir, même tous, hein, il n'y en a aucun qui a appelé les auteurs que je leur avais demandé d'appeler parce qu'on m'avait passé le mot. J'ai été faire ce qu'on m'a dit, mais derrière, c'est moi qui passe pour un con parce que les gens sont pas capables de faire ce qu'ils doivent faire. Après, je vais pas te citer la librairie, mais cette librairie, elle va entendre parler de moi dans pas long. Moi, il y a une place où je suis très satisfait, c'est chez Archambault. Ah, Archambault, bon, ils sont énormes. à toutes les fois que j'en sors un, Archambault, c'est sur le display en évidence au début. Il est là Oh. tout de suite. Mon livre, là, Moi, il vient j'avais de été voir sortir, Renaud puis. Bray. Renaud Bray, ils ont jamais cru, livré Pantoute, ils ont jamais répondu. Il y a juste Archambault, j'ai pas eu le temps. Mais je sais que Pantoute, si tu y vas, faut vraiment pousser les choses. J'ai rien contre cette librairie, mais ils ont fait des belles paroles qu'ils ont pas tenues. Donc moi, ça m'a tapé un peu sur les nerfs. Et quand tu fais des Non, promesses, quand tu dis à, non, mais quand tu dis à des auteurs, oui, on est prêt à vous prendre, à vous aider, et que t'arrives et qu'ils font pas le nécessaire, je veux pas être méchant, mais ça fait un peu chier. Excusez-moi, j'ai renversé c'est mon pas café par pareil, terre sans Renaud vouloir. Bray. Ouais, en fait, j'ai mis mon coude sur le côté, j'ai renversé mon café. Donc, en fait, je suis en train de nettoyer mon bordel en même temps pendant le live. C'est super sympa. Désolé, hein, j'aime pas vraiment le choix, sinon ça va couler partout. Ça fait penser à moi dernièrement, là. Je fais juste des gaffes comme ça. Ah, je fais que ça en ce moment.
Moi, la dernière que j'ai faite, j'ai sorti un gâteau du fridge et puis il allait échapper, mais il a tombé en plein envers à terre. Alors, tout le sucre et tout. Moi, c'est arrivé au mariage d'un ami. Il y a le mec qui est arrivé avec le gâteau du mariage. On l'a tous vu, le pauvre. Le gâteau, il était aussi grand que lui. Je crois qu'il faisait 2 mètres, le gâteau, quasiment. Bah, en fait, il l'a sorti du camion et t'as le gâteau qui a fait. Les 2 mètres de gâteau lui se tombaient sur la face. C'était tellement lourd que quand il est tombé, sa tête a cogné dans le sol et il s'est fait une fracture au crâne. 15 points de suture derrière Non. ici. 15 points de suture. Oh Bah, il s'est yeah. rentré dans une plaque. En fait, tu avais un morceau de plaque qui était sorti. Donc, tu avais ça de métal. Et en fait, c'est rentré ça dans le crâne. Donc, en fait, il avait carrément le crâne ouvert ici. Aïe aïe. Mais il est Ça parti c'est à dur l'hôpital avec la barre ici. ça. Ça c'est pire que nous là. Ouais, ça c'est Ah, pire. bah. Il a plus de cheveux qui passent là maintenant. Ça lui fait une grosse traite là. Ben, il Aïe avait un aïe. il avait mis un tuyau dans la tête pour enlever la pression et tout, parce qu'il avait trop de pression dans le crâne. Il n'a pas eu y passer en tout cas. Il a encore des séquelles parce qu'il a son bras droit qui peut quasiment pas bouger. Et il arrive à le bouger, mais je pense qu'il l'utilise à 20-25% de sa capacité. Il peut même pas lever un sac de course. Même un téléphone, s'il le Non. porte, il peut le porter 5 minutes et son bras il lâche. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Aïe. Ouais. Ouais, j'en ai vu Ouais, des belles mais choses comme ça. ouais, OK. C'est mieux renverser un café que faire ça. Après, j'ai connu pire, mais bon, ça, on n'est pas là pour discuter de mes éboires. Hein, Non, je vois que j'ai un gros t'as poil nous de cheveux déboire, devant non? moi. Non. Ah, puis C'est toi qui as moi, conçu foutre. tes couvertures de livres ou c'est quelqu'un qui te les a faites ou c'est toi qui as donné ton idée, ils te les ont posées J'ai donné mon idée, j'ai donné mon idée pour la dernière, là. J'ai donné mon idée chez ADA, puis la personne l'a composée et m'a suggéré des choses, puis moi, j'ai refusé, puis j'ai dit que je veux ça. Alors, finalement, ça a donné des demi-visages. Des Ouais, demi-visages. mais c'est sympa parce qu'on sait que c'est la même trilogie, mais en plus l'image est belle. Elle est vraiment belle, C'est ça. l'image, je trouve. C'est des demi-visages. Et puis, c'est ça. La première cristal. OK. Voilà. Ça, c'est Anjali, l'actrice. L'actrice. Je L'actrice m'y perds, moi, avec les noms. Angelina Jolie. Tu connais l'actrice Angelina Jolie? Elle est super fine, en plus, comme femme. C'est une patente, cette femme. C'est peut-être une des femmes, une des comédiennes que je connais qui fait le plus d'associations, qui aide le plus de monde. C'est un truc de fou, cette femme. Ouais, tu sais pas pourquoi, par exemple, qu'elle fait ça. Moi, j'ai Non, basé mais mon c'est juste roman. qu'elle est humaine. Ouais, OK. J'ai basé mon roman Cristal sur elle, Angelina Jolie. Non. Eh bien, pourquoi? Parce que elle a traversé des épreuves. Elle a été droguée, prostituée. Ils l'ont même. C'est ça, okay? Prostituée pour la drogue. Et elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie grâce à un. Comment tu dis ça? Ceux qui produisent des films. Un Un réalisateur? producteur, ouais. Un Un producteur? réalisateur Producteur? ou un producteur, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. C'est un De toute peu façon, quasiment similaire, donc. elle a rencontré ce bonhomme-là et puis il l'a sorti son marasme de drogue et puis de prostitution. Puis il lui a dit, tu es capable de faire mieux que ça. Tu es capable d'être quelqu'un dans la vie plutôt que de juste chercher à avoir des grosses Une reconnaissance. sensations. Hein. Des sensations. Elle recherchait des sensations fortes. Elle a voulu que ça soit Alors, l'adrénaline en permanence, quoi. c'est ça, c'est ça. Alors, il l'a convaincue. Elle a été en désir. Et après ça, elle est devenue la vedette qu'on a connue. Moi, j'ai Bah, basé mon après, je veux pas roman être sur méchant, elle. elle a quitté la drogue et tout ça, mais elle est quand même tombée sur Brad Pitt.
La pauvre. Ça Ça, la... c'est une chose. Ça, c'est une autre Ouais, c'est chose. une autre histoire, mais quand je vois la drogue et tout, je me demande si c'est pas mieux la drogue que Brad Pitt. Mais c'est juste pour donner l'illusion, parce que Brad Pitt, c'est quand même quelque... Le mec, il est quand même chelou. Je veux pas être méchant, mais le gars qui saute en plein dans le plateau, qui dit « Ah, oh, j'ai réussi ma vie !» Ouais, mais mec, t'es chez les Illuminati. Tu claques tout ton pognon chez les Illuminati alors qu'ils savent rien, les gars. Et après, tu vas dire aux autres comment faire leur vie. Ben, c'est normal qu'elle t'ait quitté. Je veux pas être méchant, mais garçon, réveille-toi. Hey, il avait une femme superbe, il a des enfants superbes, le mec, il a fait que de la merde. Mais ça, c'est ça aussi. Mais là, c'est Ah, ça. Alors, mon roman Cristal, j'ai un peu basé ça sur sa vie. Et puis, j'ai improvisé. Puis, j'ai mis ça parce que c'était la drogue et puis tout ça. Puis, en tout cas, c'est là-dessus que j'avais je me suis pensé à lui basé. envoyer un livre traduit justement sur ce livre-là, de lui envoyer à Christian Angelina Jolie, l'envoyant avec la traduction. Je sais pas, c'est peut-être Non, une idée. ouais, ça aurait peut-être pu être une bonne idée. Il faudrait que je le fasse traduire, premièrement, parce que Après les traducteurs, je ouais. pense que je dois en connaître quelques-uns. Mais si un jour, je sais pas, moi je lançais une idée comme ça, peut-être que. Moi, je sais qu'il y en a qui écrivent, des fois ils essayent, ou des fois c'est le comédien ou la personne qui est concernée qui l'a lu et qui revient vers la personne qui dit Hey, ton livre est vraiment bon. Moi, je dis, c'est une façon de rendre hommage. Donc, moi, j'ai un auteur qui vient me faire ça, qui m'envoie un livre, je ne sais même pas qui parle de moi, je le lis. Ah, c'est vrai, ça, ouais. Merci. Ah, je te le souhaite, hein. Ça se trouve qu'elle va super bien l'aimer, justement. Parce qu'au contraire, ça va lui rappeler le truc. Et comme elle va voir que tu dis, ouais, malgré les épreuves qu'elle est passée, regardez où elle en est aujourd'hui. Donc si elle allait y arriver ou que tout le monde est passé par là, dites-vous pas que c'est impossible. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ah, mais c'est moi j'adore la littérature, les gens. Moi, je suis fasciné par les gens. Je suis fasciné. C'est moi, le monde me fascine. Même s'il y a des cons, ça me fascine. C'est comme si je lisais un livre un peu tous les jours. Non, c'est vrai, il faut tout, hein. C'est ce qui fait la beauté du monde. On apprend tous les uns des autres et on n'est pas tous parfaits. Donc, s'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, tu en as toujours d'autres pour combler justement tes défauts ou justement les acquis que tu n'as pas. C'est super sympa. Ouais, c'est ça. C'est quoi le genre de style que tu n'écrirais pas, mais pas du tout, ou qui t'intéresse pas tout simplement? Ouais, c'est quoi qui m'intéresserait pas? Historique. Historique. J'ai l'histoire de famille là, dans les années 40, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, Je vois. j'écrirai jamais ça. Non plus biographie. Biographie, là, ça. Non. Qu'il l'écrive lui-même dans sa biographie, s'il se pense assez intéressant pour tout le monde, là, qu'il le fasse. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'écrire une biographie à quelqu'un. Non, je trouve que non. Bah, c'est trop compliqué, je trouve que t'as trop de barèmes, trop de restrictions. Bon, après, j'aime bien avoir ma liberté. Moi, c'est le truc que j'adore, c'est avoir une certaine liberté. Il faut skier, t'as envie d'écrire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et là, quand t'arrêtes, t'es obligé de suivre ça. Au final, tu dis, ouais, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Même si tu l'as écrit, je veux pas être méchant. Moi, je sors une bio, je vais pas dire, ouais, c'est une bio que j'ai écrit. Je m'embêterai même pas. C'est pas que... Moi, c'est comme si tu disais à quelqu'un de se présenter. Je préfère aller voir les personnes que plutôt de le lire dans un livre. Je trouve ça plate à la longue. Et même tout le monde l'a déjà fait, D'ailleurs, donc. la plupart du temps, c'est des vedettes là, qui veulent se faire un peu plus de pognon, là, qui veulent faire un peu plus d'argent. C'est des vedettes là, qui ont terminé leur vedettariat à la télé ou à la radio, puis qui veulent en faire un peu plus de pognon pour Alors, leur sinon, c'est retraite. ceux qui viennent de sortir des cours et qui disent, tiens, on vous a dit de faire ça, donc du coup, ils le font, mais c'est pas du tout ça, quoi. Ah, Ouais. moi non plus je pourrais pas, j'y arriverai pas de toute façon. J'ai pas la patience pour même faire comme tu dis les faits historiques. Moi je préfère aller voir les documentaires, aller voir les sites directement plutôt que de le lire. C'est Ouais, pas c'est les ça. mêmes émotions, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas le même ressenti. Donc moi je kifferais aller en Égypte visiter les pyramides de Khéops et tout. Ouais, j'adorerais ça moi. Mais je serais dedans, le mec, le touriste, il me perdrait. Je suis en train de me balader dans toute la pyramide, je serais perdu. Ben non, mais c'est vrai, quoi, t'as tellement de choses à découvrir, donc quand t'es attiré par quelque chose et que t'as envie de le suivre, bah tu le suis, c'est comme un livre, quand tu le lis, quand tu lis les 5, moi je dis toujours c'est entre 5, 15 et 30 pages selon le truc, que tu sais si tu vas accrocher ou pas.
Moi, généralement, je lis la première ligne. Si je vois que c'est pas fluide, je vais le lire. Mais si je vois que ça continue à être lourd, je vais même pas lire le livre. Ça ne sert à rien. Moi, faut vraiment que ça soit fluide, faut que ça soit, bah, je vais pas dire propre parce qu'on est humain, mais faut quand même que c'est une suite logique, que ce soit pas trop répétitif ou justement trop basé sur la chose qu'il voudrait parler parce que là, ça devient pénible. Ouais. Parce qu'au final, t'apprends rien de l'histoire. C'est une Américaine qui, elle, écrit toujours avec la même recette, Danielle Steele. Je ne sais pas si tu connais, mais Je connais le les nom, femmes, ouais. les femmes en général, les lectrices qui lisent, c'est ce genre de livre qu'elles aiment et que cette bonne femme-là en a écrit à peu près une quarantaine de livres, je dirais. Danielle Steele, elle est millionnaire, sinon milliardaire. C'est un peu. Elle a la recette qu'elle a trouvée comme pour Harry Potter, là, dans, tu sais, là, c'est celle, comment ça s'appelle, qui a trouvé pour Harry Potter, elle a trouvé la recette. Rowling, Je H.G. connais pas les noms, je suis Rowling. vraiment perdu avec les noms, moi. Ouais, c'est pas grave. Harry Potter, alors, tout le monde connaît ça. Alors, c'est une recette qu'elle a développée. L'auteur a développé une recette là-dessus. Puis là, elle a fait toutes sortes d'épisodes là-dessus. Alors, Danielle Steele, c'est la même chose. C'est de la romance extrême. C'est de la romance tout le long, tout le long. Tous ses livres, c'est de la romance. Ah, Et c'est pas mon truc, moi. en avant, puis en avant, puis en avant. La Ouais, mais est-ce que c'est romance. de la romance qui sort de l'ordinaire ou c'est de la romance cucu-gnon-gnon, tu sais? Moi, la romance cucu-gnon-gnon. Elle en fait de toutes les sortes. Ah, ça va, parce que, tu vois, moi, c'est un des trucs que je lis pas. Moi, c'est bien de la romance. Hein? C'est Roméo et Juliette, version 500 fois. À la longue, t'en as marre. Tu dis oui, je sais que toi, tu vas sortir avec lui, tu vas faire ci ou ta lame. Des fois, c'est pénible. Mais quand vous arrivez à sortir de l'ordinaire, ça va. Mais si c'est toujours les mêmes contextes qu'on a connus dans les années, il y a 10 ans, 15 ans, là, ça fonctionne pas avec moi. Là, Stephen King, par exemple, moi, tu me fais lire Stephen King aujourd'hui. J'aime bien Le son parcours, j'aime triangle bien sa plume, amoureux. hein, mais c'est. Voilà. Je suis pas attiré par Stephen King. Je suis plus attiré par les auteurs Ouais. comme toi, Patricia, Pierre Davy, Dave Turcotte. Moi, je suis plus attiré par les jeunes auteurs comme ça que ceux qui font des gros paragraphes. C'est déjà du déjà vu. Je veux pas être méchant, mais c'est déjà du déjà vu. Même Stephen King, je veux pas être méchant, mais c'est déjà du déjà vu. C'est tourné à sa Ouais. sauce, ok, mais pour moi, c'est déjà du déjà vu. Quand on voit 50 films, 50 livres, pareil, au bout d'un moment, tu te lasses, quoi. Je veux pas être méchant, mais c'est pour ça que depuis la Covid, moi, j'ai eu la chance, justement, de découvrir des auteurs qui sortent de l'ordinaire, qui sont habitués, justement, à la même époque, de dire, tiens, on a déjà connu ça, on en a marre, nous. On va faire ça, mais on va le faire, on va complètement le stéréotyper, là. On va enlever toutes ces merdes, on va rajouter des contenus, et là, on va faire quelque chose de beau. Et depuis la Covid, c'est ce que je vois. Bon. Et c'est ça que j'espère qu'il va être la tendance Ah oui, mais en plus, pour il y a des aller. salons. T'as des salons de prévus, non? Il y a eu un salon sur la route, là. Comment ils appellent ça, là? À la Caravelle littéraire? Ouais, la caravane littéraire, moi je l'ai manqué parce que mon livre n'était pas sorti encore. Puis Oh. les autres sont plus disponibles. Ah bah c'est le salon clandestin que Lector Roman Noir ils font C'est entre eux, ça. et t'as la caravane Ouais. littéraire que c'est Guillaume Morissette et tout ça qui s'amusent à le faire. Alors, le salon clandestin, là. Par contre, tu vois, ça, c'est un truc que moi je comprends pas. Clandestin, j'ai fait. C'est Puis j'ai t'as un manqué groupe ça. d'auteurs, tu dis au groupe, seulement au groupe de participer et de pas faire participer les autres lecteurs, ça je trouve ça chiant. C'est pas parce que tu n'appartiens pas à un groupe que tu es obligé de les priver d'aller voir les auteurs. Mais t'as pas privé les auteurs d'aller voir du lecteur. Désolé, mais moi je trouve ça vraiment chien. Que les gens ils viennent me dire que c'est pas bien. Moi je trouve ça chien. T'as pas à faire ça que pour ton propre intérêt. C'est soit t'aides tout le monde, soit tu fais rien. Je trouve ça égoïste, moi, perso. Celui dont on parlait, c'est ça qu'ils font? Ils font ça juste pour leurs auteurs seulement?
Bah, en fait, c'est pas forcément ça, c'est que eux, ils ont fait leur salon de leur groupe. Ça, je comprends, c'est bien. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi on les prive des autres lecteurs de pouvoir participer. Justement, ça leur attirerait justement plus de visibilité, les gens seraient plus à l'aise. C'est juste des trucs que moi, je comprends pas. T'as pas à priver les gens de priver des auteurs ou de t'accaparer des auteurs et de lui dire, ça, c'est notre secte, on fait tout ensemble. Si c'est pour faire ça, pourquoi t'as un groupe? Ça sert à rien. On est là pour aider, on n'est pas là pour se faire de l'argent sur le dos des gens, on n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit. Déjà, on est content, on reçoit des auteurs. Si on est là pour les aider, autant les aider, pas faire semblant. Moi, c'est des trucs que je comprends pas personnellement. C'est les groupes qui se tirent dans les pattes pour dire moi je veux ci, moi je veux ça. C'est complètement puéril et infantile pour moi. On est là pour s'aider, pas pour se tirer dans les pattes. Je comprends pas cette mentalité. Et moi, c'est un des trucs qui me tape, mais vraiment sur le système parce que c'est un manque de respect de total envers tout le monde. Tu fais un truc pour offrir de la joie, rencontrer, faire, je sais pas, connaître les gens et les gens se plaignent et ils font des trucs dans ton dos, ça se fait pas. T'es là pour aider, tu aides, c'est tout. T'as pas à priver les gens parce que justement, c'est vous qui privez derrière. Mais après, je ne C'est cite pas le lecteur en mot noir. Attention, un lecteur en mot noir, vous basez pas sur ça. J'ai rien contre vous et je m'en fous de votre groupe. Je vous le dis cash en live. Sincèrement, j'en ai marre des histoires de cucu gnangnan, moi. Excuse-moi, hein, c'est juste que j'en ai marre des histoires de cucu gnangnan. Donc des fois, quand ça sort tout seul. J'ai rien contre personne, c'est juste le fait de faire des histoires et de faire certaines choses qui sont pas plaisantes. On est des humains avant tout. Moi, je préfère nettement les salons officiels, comme celui de Oui. Québec. J'ai raté le salon de Québec. Oh. Là, il n'y a pas de concurrence entre groupes, là. C'est Ah, c'est tout le monde s'entraide. chacun à C'est sa juste ça. place. Et Ben oui. puis, chaque éditeur Pour moi, un groupe, où sont situés, ils a pourraient joué faire des sur salons la chacun de leur préférence. côté. Si tout le monde arrivait à créer des salons de son côté et permettre aux auteurs de commencer à voir créer des salons, tout le monde pourrait le faire de son côté. Tu dis, tiens, j'ai pas besoin d'attendre un groupe ou telle personne. J'ai envie de faire un salon. Je sais comment m'y prendre. Je vais demander aux gens, ceux qui veulent participer, ils participent et vous lancez votre truc. Moi, je dis de nos gens, c'est ce qu'il faut faire parce que si on attend après tout le monde, c'est soit ils vont se priver, soit ils vont le faire que pour leurs pommes, ou soit derrière, il va y avoir quelque chose. Là, moi, je sais que c'est des choses que j'ai envie d'apporter. Bon, pour le moment, j'y vais doucement parce que moi, j'ai l'esprit qui va très, très vite. Donc, les projets, moi, ça fuse à la tire-larigot. Je vais te parler d'un projet, mais j'ai 50 projets qui viennent dans ma tête en même temps. Donc, ça, j'ai du mal à me contrôler. Mais j'essaie de justement de créer des salons. Là, je vais essayer d'en voir un pour le faire sur les plaines d'Abraham, dans le Vieux-Québec. Je vais essayer de voir. Comme je sais que dans le Vieux-Québec, il y a beaucoup de brasseries ou de petits magasins comme ça, je vais voir si je peux pas essayer de voir des événements avec eux et d'attirer les auteurs en même temps, tu sais, pour qu'il y ait plus de clientèle et que aussi ça leur fasse du bien et que tout le monde puisse passer du bon moment. Mais c'est des choses que je vais essayer d'apporter au fur et à mesure. C'est juste que pour le moment, je sais pas comment m'y prendre. Donc, j'essaie d'abord de faire petit à petit et quand je vais les poser, c'est des choses que moi, je vais pouvoir vous retransmettre derrière pour que vous puissiez le faire de votre côté. Faudrait trouver des commanditaires. Ah, bah, je vais essayer de faire des interviews cet été. J'ai proposé à des amis, comme là, il y a les beaux temps. J'ai dit pourquoi pas associer le beau temps et le monde de la littérature. Donc, je vais prendre mon téléphone. Je vais aller filmer un peu dans le Québec, interviewer les gens, savoir ce qu'ils en pensent, prendre des nouvelles, s'ils ont des trucs à nous raconter. Et je vais voir. Je pense que c'est des trucs qui pourraient être intéressants à faire. Comme ça vous offre plus de visibilité. OK. Bon, ben puis ensuite, ici, la maison d'édition Crescendo, j'ai connu ça avec Lolita Leblanc. Tu la connais, elle, je Oui, pense. oui, oui. Super fine comme Alors, femme. Lolita, la vieille amie, pas parce qu'elle est vieille d'âge, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est connus dans une maison d'édition JKA qui n'existe plus, qui a fait faillite. Alors, Oh. elle avait été publiée là, puis moi aussi. On s'est connus là, comme qu'on connaît d'autres auteurs qui étaient là, puis qui sont maintenant dans différentes éditions. Et puis, c'est Lolita qui m'a parlé de ça, qu'elle faisait des lives. Je dis, c'est quoi ça, des lives? Moi, je n'avais jamais fait ça, mais quand j'étais chez ADA en 2014, je n'ai jamais fait ça, des lives. J'étais membre des groupes de lecture, mais pas de live. Et puis là, elle m'explique ça, puis tout ça. Elle dit,
Elle dit, en plus, j'ai demandé comment ça. Comment ça fait? Ils ne veulent pas de nous autres, les maisons d'édition traditionnelles. Elle dit, asseyez-toi chez Crescendo. Alors, je me suis présenté mon livre chez Crescendo. Et tout de suite, la personne en charge du comité de lecture, elle m'a dit, ben là, les deux bonnes tombes, c'est le meilleur roman policier que j'ai jamais lu. Elle m'a tenté à peu près une dizaine de qualités du livre. Des personnages exceptionnels, des endroits qu'on voit comme si on était là. Et puis, en tout cas, elle a dit, moi, je vais le recommander à l'intention du comité. Je vais le recommander qu'on le publie au comité de lecture. Et la semaine, j'étais en train d'envoyer mon manuscrit à là-bas. Et puis là, j'ai été publié à cet endroit-là. Puis là, j'ai un Wow. tourneur. Ça, c'est un tourneur. Ça s'appelle À cœur ouvert, tourneur. Je Une belle vais découverte. publier un tome 2. Je l'écris, le tome 2. Sauf que là, Oh. la couverture, elle était faite par une personne que je trouve exceptionnelle. Comment passe que Viviane. Je me souviens jamais, Alexandra. Viviane Alexandra Design, que ça s'appelle, la place où ils font ces couvertures-là. Je n'avais jamais vu quelqu'un me faire une telle couverture avant. Tu veux une Jamais. belle couverture? Va voir Ludovic Bexer. Et je te garantis que tu vas avoir une couverture de malade. C'est qui ça? Ludovic Bexer, c'est un auteur qui a écrit 43 livres. Et honnêtement, Incroyable. ouais, mais il est aussi graphiste, hein, il a touché au monde de la mode, tout ça, et tu fais des montages de dingue. Si tu veux une belle couverture, sincèrement, va voir Ludovic Bexer. C'est sûr et certain que tu vas avoir une belle couverture. C'est le meilleur que je connaisse dans ce domaine. Et il est OK. vraiment, vraiment bon. Ah Bon, bien, bon. t'en parleras à Lolita Leblanc ou tu vas dans Mes Amis, tu vas voir Ludovic Metzger. Tu dis que tu viens de ma part et tu es sûr qu'il peut te faire des beaux trucs. Il est super fin comme gars en plus. Donc, OK. Et en fin de compte, c'est ça qui a justifié le fait que on est là en ce moment pour après parler de mon livre, parce que avant ça, je n'ai eu aucun. J'ai eu des refus partout. Ah ben, ça c'est des trucs que nous on essaye aussi de changer de notre côté, ce genre de mentalité où là on fait pas ça parce que justement on a nos machins ou ah tiens tu rentres pas dans notre catégorie. Non non non, c'est nous on s'en fout. Ça. Sincèrement c'est relou. C'est peut-être le truc le plus chiant. C'est toujours la même réponse. Ah, ça n'entre pas dans nos tutelles. Ou ben non, je suis ben non. C'est toujours les mêmes lettres déjà toutes faites là, qu'ils nous envoient. Là, puis, Ah, c'est l'étude déjà préparée. Ils ont tu te même pas lu demandes. le livre, ils se sont même pas donné la peine. C'est ça. Tu te demandes est-ce qu'ils l'ont vraiment lu? Puis en plus, ça, Ouais. ils te font attendre 3 mois avant de te donner une réponse. Puis 3 mois pour lire un livre. est-ce qu'ils l'ont vraiment lu? Sous prétexte Non. qu'il y en a des centaines par année qui font Ouais, mais s'ils application, en ont des mais. centaines par année, ils ont un comité pour le lire. C'est eux qui disent oui à chaque fois. Tu sais, c'est C'est ça. con. Moi, je sais que dans mon truc, je vais faire partie du comité, mais les livres, je les lis. Je me prends la tête à les faire parce que derrière, je les lis au moins 5 fois minimum un livre. Juste pour être sûr de pas avoir oublié quelque chose ou si je dois faire une chronique, ce genre de choses, je me prends vraiment la tête. Donc, c'est les gens qui disent, oh, on a nanana. Non, vous avez, moi, je leur enverrai, t'as pas lu mon livre. Ne m'envoie pas un message tant que t'as pas lu mon livre, ça sert à rien. Si je viens vers toi, déjà, fais l'effort de le lire. Comment ils veulent aider s'ils savent pas? En plus, ils Ils font même s'en pas de foutent publicité derrière. carrément. Ils s'en foutent carrément, puis ils ont leur vedette qui vend, qui vend, qui vend, qui vend. Alors, Non, c'est ça. ils s'en foutent. C'est pour ça que les groupes, justement, les groupes de littérature, les groupes de lecture qu'ils ont ouverts, ça permet justement de faire des lives, de faire un peu plus de visibilité, de permettre des publicités. Sans les réseaux sociaux, je veux pas être méchant, mais tu t'en sors pas. T'es obligé Non, c'est d'avoir les sûr. réseaux sociaux et de faire un minimum de pub, de parler de toi, sinon tu t'en sors pas. C'est sûr.
T'as déjà essayé de voir les audiobooks sur tes livres, non? Non. Ça serait une Non. option ou tu prévois pas du tout de faire des audios? Je sais pas. Ça me dit pas grand-chose, ça. Je sais pas. Est-ce qu'il y a tellement de monde qui écoute ça? Bah quand même, hein, ça fonctionne vraiment, hein, les audiobooks, attention, hein, même en Europe, L'écoute. ça commence à cartonner. Hein. Ah ouais? Oui. Moi, je vous dis que c'est quelque chose à explorer, c'est vraiment quelque chose. Par contre, c'est vrai que quand tu connais pas les gens qui font les audiobooks, ils te font chier, ils te font cher. Quand je vois le prix, ça me fait pleurer. Je le ferai moins cher que largement. Je crois qu'il y en a un que j'avais vu, c'était 150 euros, je crois, ou 150 dollars à l'heure. Sans compter qu'il Ah finit pas le truc. Quand j'ai entendu ça, pour adulte, hein, pour enfant, c'est 100 euros ou 100 dollars. J'ai fait, pardon? À l'heure? J'étais baisé. Chez moi, si le livre, il fait 300 pages, à la rigueur, je mets un dollar sur la page ou 50 centimes la page, à la rigueur, je m'en fous de me faire d'études. Je fais le truc déjà pour que ça coûte moins cher à l'auteur, parce que déjà ça coûte cher, hein, je veux pas être méchant, mais faut vraiment être accessible, faut faire des prix raisonnables. Si tu fais un audio, tu dis tiens, ça c'est pas cher, ça peut correspondre à tous les portefeuilles. Nous on est là juste pour faire notre job, le reste on s'en fout. C'est vrai que c'est long à faire les montages, je veux pas être méchant, moi je le fais, hein. Donc quand tu fais tes audios, tu dois faire ta narration, tu coupes au niveau que tu parles, ensuite tu dois mettre la telle personne ou la telle voix, en fait pour les recoller, faut faire un montage audio, ensuite faut faire un montage au-dessus pour si tu veux faire les bruitages, donc tu mets ton fond, la pluie, ce genre de choses, après tu ouvres un autre truc pour refaire un montage si tu veux faire des bruits. Ah ouais, c'est vraiment complexe, hein. C'est comme si tu montais une partition de musique. Un audio, c'est aussi compliqué, bah c'est aussi compliqué, c'est aussi chiant à faire. C'est parce que comme scénariste pour un film, finalement. En gros, ouais, c'est, en fait, faut que tu montes un film, mais sans le film. C'est, tu fais ta Sans le voix, tu film. mets ton truc, tu mets une image pour, après, si tu veux mettre plusieurs images pour raconter tes trucs, tu fais ce que tu veux, mais, ouais, c'est comme si tu montais un film. Moi, je sais qu'il y a un audio que j'ai réussi à le publier en entier, mais j'ai, voilà le temps que j'ai passé dessus pour essayer de faire les collages, les montages, un vrai bordel. Et en plus, sur téléphone, t'es vraiment restreint, donc quand tu mets ton son, t'es une mauvaise qualité. Et ainsi qu'il le fait sans payer. Ah! Il y a Roselyne Lambert, autrice, qui dit, il y a un site qui le fait sans faire payer et prend les risques. Faut que je me souvienne du nom. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura peut-être une solution. Merci Roselyne. Ah ouais, ok, ben ouais, je vois ça là. Ah, nous, on est preneurs. Hein. Moi, je Ok. suis preneur. Si c'est des trucs comme, si vous avez des références comme ça à faire, pour référencer quelqu'un qui fait des audios, quelqu'un qui fait des montages ou n'importe quoi, vous gênez pas de le faire sans mon groupe. Si ça peut aider la personne ou vous aider, vous gênez pas. Même t'as une question de merde, hein, tu dis tiens, je sais pas comment faire cuire des raviolis. Vas-y. Du moment que ça te sert. Faut juste pas que les gens te manquent de respect. Moi, c'est tout ce que je demande sur mon groupe, c'est qu'ils manquent pas de respect, qu'ils insultent pas. Sinon, je banne, je bloque. C'est sur le groupe des auteurs en liberté, là, c'est ça que tu veux dire? Ouais, C'est ce ouais. groupe, le groupe, là. Ouais, sur OK. celui-là, bah auteur en liberté, c'est pas pour rien que j'ai mis liberté avec le smiley mort de rire à côté. Bah, c'est liberté pour dire vous faites ce que vous voulez. C'est non, mais c'était surtout pour forcer les gens à, s'ils veulent faire des lives ou publier des choses, je voulais pas qu'ils aient de restrictions. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui restreignent. Et moi, j'ai pas de calendrier à dire, tiens, tel OK. jour tu publies, tel jour tu fais ci, tel jour tu fais ça. Non. On est paumé avec ça, c'est pas possible. Donc je laisse toute la liberté possible. Moi, je me prends pas la tête. C'est juste si les gens vous manquent de respect. Là, je cherche pas midi 14h. Je bloque, je supprime. On n'est pas des policiers, on est des adultes, on n'est pas des enfants, on n'a pas que ça à faire. Moi, je cherche pas midi 14h. Hein. C'est vraiment action-réaction. Est-ce qu'il y a des appelons ça des vedettes là. Est-ce qu'il y a, mettons des personnes qui travaillent à la télé ou des personnes qui travaillent à la radio ou des personnes comme le gouvernement là. Non, le gouvernement ça non ça marchera pas. Mais qui peuvent qui disent leur opinion sur tel livre ou tel livre ou tel livre que tu connais? Ah, j'en connais plein, j'en connais trop d'ailleurs. Ah ouais? Mais je me perds à chaque fois. Ah, j'en connais trop, mais je me perds dans mes noms. J'ai vraiment du mal avec les noms. J'en connais tellement que les noms, moi, ça. J'ai les têtes, mais j'arrive pas à voir les noms. J'en connais trop. Des fois, j'inverse Okay. aussi les gens. Donc, c'est à ce niveau-là, au niveau des noms, je suis vraiment à chier. Excusez-moi du terme, mais j'ai pas d'autres termes.
Je suis vraiment nul pour les noms. C'est Je... mon seul défaut, ça. Alors, j'aimerais en connaître un ou deux pour leur envoyer mon livre, tu sais. C'est comme... Ah ben j'en C'est connais comme... pas. Alors, si tu veux des beaux, t'as Nathalie Nogrette. Nathalie Nogrette, c'est un monstre. C'est un monstre de littérature. Elle est partout, elle est sur tous les filets. Il y a Nancy Boucher, tu pourrais demander. Il y a ma cousine aussi, tu pourrais demander si tu veux. C'est Morgane, Liliane, ou bien je t'enverrai les noms. Il n'y a pas de souci, je t'enverrai OK. les noms à qui tu pourrais parler, il n'y a pas de souci. Il y a même Tu les il y a envoies, OK. Patricia Olinie qui est passée tout à l'heure, je pense qu'elle est encore là. Je pense que même elle, tu pourrais lui envoyer, elle te ferait elle de ses plumes. Je suis jaloux de sa plume. Ah non, mais elle te fait des poèmes. C'est son recueil que j'ai fait, justement, qu'elle a fait avec son homme, Pierre Davy. Bah, c'est celui-là que j'ai fait en audio. Les poésies de dos, un regard Poésie sur la vie. de dos. Je suis passé par toutes les étapes avec. Hein. J'ai chialé, j'ai oh là 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 là, j'ai versé des larmes tout le long quasiment. Parce qu'en fait, ils ont fait des poèmes et Pierre, lui, il a mis des phrases métaphoriques dedans. Donc ça correspond vraiment. Ils en ont fait un deuxième que j'ai eu le cadeau de Cynthia Dubé. Il est là. Non, je l'ai mis à l'envers. Ça, c'est le deuxième qu'ils aient fait. C'est quoi Et ça, le titre? elle est en train d'écrire un livre, justement. Elle m'a fait la proposition d'écrire à quatre mains avec elle. Donc là, à partir du mois de mai, je vais me mettre à écrire parce que j'ai beaucoup de choses à écrire. Mais je vais quand même continuer à Bon. faire des lives. Donc même toi, si tu veux faire des lives avec d'autres personnes et tout ça, ne te gêne pas de venir me voir. Au pire, même si je suis pas disponible, j'aurai toujours quelqu'un pour essayer de te faire un live avec toi. Il n'y a vraiment pas de problème. Après, j'en connais des gens derrière sur Instagram, sur TikTok, qui commencent à faire des lives. Donc c'est peut-être aussi des personnes que je vais vous référer pour vous apporter certaines visibilités. Donc D'accord, déjà, ben oui, il y a les merci. jeunes ordinaires. Il y a les jeunes ordinaires qui sont dans mes amis. Que lui, si tu vas le voir, il peut te faire une interview sur Instagram. C'est un YouTuber qui fait des interviews avec des Okay. auteurs et tout ça. Et justement, il m'a approché pour me faire une interview avec moi. Et j'essaye aussi de lui renvoyer du monde aux personnes que je Okay. connais qui puissent vous aider. Comme ça peut vous ouvrir d'autres portes aussi d'ailleurs. Et je sais que sur Instagram, ça fonctionne bien, mais sur TikTok, j'ai pas encore vraiment essayé. Mais je pense qu'il y a peut-être matière à faire. Et je sais que sur TikTok, ça fonctionne très très bien, mais il faut juste savoir comment s'y prendre. Ouais. Instagram, je suis là. Moi aussi, j'en ai pas mal de monde là-dessus, sur Ah, mais Instagram. Instagram, ça fonctionne bien. Hein. Je trouve que c'est un peu mieux que Facebook parce que les gens se prennent un peu moins la tête. Facebook, c'est un peu Ouais. trop. Tout le monde se tire dedans. Ça me tape sur les nerfs. C'est pour ça que j'aime pas les réseaux sociaux de base. Je suis sur les réseaux sociaux, c'est juste pour vous. Sinon, j'aurais même pas mon Facebook. J'avais que Messenger avant. Hein. J'ai mis Facebook parce que justement, quand je rentre et j'avais un groupe, j'avais besoin d'avoir les réseaux sociaux. J'étais obligé d'aller sur tous les réseaux sociaux pour essayer d'avoir un maximum de visibilité et voir tout ce que les portes ça peut ouvrir. Donc c'est pour ça que j'utilise Ouais. YouTube aussi pour partager parce que c'est plus facile à partager. OK. Ouais, ben Donc je suis sur YouTube aussi. moi j'ai Je suis YouTube, là sur Instagram, YouTube. TikTok, Facebook, LinkedIn. C'est les LinkedIn plateformes qu'il aussi. faut. Ouais, c'est très professionnel. Ça fait un moment que je suis pas dessus, mais je sais que ça fonctionne bien. Mais c'est va falloir que j'y retourne, mais c'est parce que j'ai vraiment pas le temps, c'est en train de gérer YouTube, Facebook, Instagram et tout ça, plus les projets derrière. Je n'ai pas trop le temps de me concentrer sur LinkedIn. Ça demande encore une autre façon de travailler la chose, c'est plus professionnel. Donc Ouais. Puis Twitter. Twitter, j'y vais pas. J'ai jamais rien compris. C'est trop chiant pour moi. C'est pratique, hein, tu mets des Ouais. slash, des trucs, mais j'aurais pas le temps d'aller sur Twitter, tout ça, j'ai pas le temps. Mais faudrait que j'essaye, mais c'est pas une plateforme qui me touche. J'ai négligé Twitter moi aussi parce qu'il y a trop de monde là-dessus là. Il y a trop de Ouais, mais monde même c'est avec. compliqué, c'est complexe. Je sais pas, c'est plus un forum qu'un réseau social pour moi. Ouais, c'est ça, pas mal, voilà, oui, c'est ça. Je Un m'en sors forum. pas. J'ai déjà été, j'ai vu quelques trucs, j'ai vu comment ça se passait. Ça m'a jamais. Il y en a qui y arrivent. Je sais pas comment ils font. Tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai jamais rien compris. Hein. Ça m'a toujours tapé sur les nerfs. Ah, c'est pas pour être méchant. On peut essayer tout, mais il y a des choses. Je fais déjà TikTok et Instagram. J'ai du mal. Bah, après, c'est parce que je suis pas quelqu'un qui aime les réseaux sociaux, donc je me base pas forcément là-dessus. Mais je devrais d'ailleurs me pousser un peu plus dessus. Mais je fais Suis tellement de pas. choses à côté que j'ai pas le temps. Je ne suis pas sur TikTok. TikTok, c'est juste des vidéos, hein, je pense.
Ah non, 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 ah non, ah non, ah non. TikTok, c'est si tu veux faire de la visibilité, tu te fais un montage photo vidéo où tu mets juste des photos, tu le mets sur ta story, tu te mets une musique en fond et basta. Hein. Chez moi, je fais ça, j'ai 250 vues minimum. Mais après, c'est parce que faut quand tu mets tes descriptions, dans ta description, faut que si tu mets un lien, faut que tu mettes un hashtag devant. Si tu mets un hashtag, c'est comme sur Twitter. Il faut que tu mettes des slash, des hashtags pour que les gens puissent dire, ah tiens, là c'est référé là, donc ça va toucher le plus de monde là. Nanana. Faut jouer avec les slash, les Oh, montages. yeah. Et quand tu et TikTok, le truc qui est chiant, c'est plus tu veux. En fait, faut que tu regardes plein de vidéos à chaque fois pour que tu puisses avoir plus de temps à le faire. Donc c'est pour ça que j'ai jamais essayé de faire un live dessus, mais je sais que ça attire du monde. Il faudrait jamais me renseigner, mais je sais que ça peut attirer du monde pas mal. Faudrait juste que j'essaie de trouver le moyen et si ça fonctionne, après c'est pas un truc qui m'intéresse TikTok, donc mais je sais que ça peut offrir de la visibilité, donc si ça fonctionne bien, pourquoi pas. Ouais. Mais Pourquoi pas? c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. C'est plus facile sur Facebook que sur TikTok et Instagram. Ouais, d'accord. Je suis bien Ouais. d'accord. Ah, moi j'ai du mal avec ça. Hein. Moi je sais que plus tard j'ai envie de faire une application pour regrouper les albums d'auteurs, où tu mets leurs livres, les liens de description, les liens de vente et tout ça qui vont finir sur l'application. Mais ça, j'attends parce que je m'y connais pas assez. Et le jour où je rencontre quelqu'un qui pourrait m'aider pour faire une application dans ce genre-là, et je pense que ça va vous offrir beaucoup plus de visibilité. Parce que sur l'application, je compte repartager les lives aussi qu'on a fait ensemble, que ce soit sur mon groupe ou sur d'autres groupes, repartager les lives que vous avez fait avec la date et la description du groupe, comme ça si ça leur fait de la visibilité, bah tant mieux. Mais vous, ça vous offre encore plus de visibilité, ça vous fait gagner du temps. Ça, au lieu de passer 2 heures à expliquer à quelqu'un comment acheter le livre, parce qu'il y en a, je veux pas être méchant, mais c'est des cucus, t'as beau leur expliquer, leur montrer, ils savent rien. Donc là, tu dis, tiens, t'as le lien, t'appuies dessus, tu vas là-bas. Ça te prend 2 secondes au lieu de te prendre 30 ans. Ah, tu Okay. vois, même Roselyne a dit, je te confirme, première vidéo de TikTok que j'ai eue, 1200 vues, tu cartonnerais. Ah, tu vois, Roselyne, à la rigueur, je te conseille d'aller rencontrer Roselyne Lambert. Peut-être qu'elle pourra mieux t'informer que moi, parce qu'elle a l'air de mieux savoir que s'y faire que moi Okay. sur TikTok. Mais ouais, ça peut t'apporter vraiment de la visibilité. Hein. TikTok, c'est vraiment fait pour. Et Bon, qui ben, m'envoie, lui. OK, tu me donneras toutes les noms de ces personnes-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup, là. Puis, je te remercie gros beaucoup. Ah, mais c'est normal, hein. Moi ça me fait plaisir. Après, j'en connais plein de monde, hein. Donc si je peux te référer ailleurs, moi ça me dérange pas. Justement, plus j'en connais, mieux c'est. Comme ça, je peux aider les gens. C'est pour ça que j'aime bien faire des lives aussi. Je lance des appels. Donc si vous connaissez, alors si vous êtes tous doués dans quoi que ce soit et qui pourrait nous aider ou même apporter des petits projets en plus, vous gênez pas de venir nous MP ou de nous rejoindre. Ça nous gêne pas du tout. On est ouvert à tout. Alors dessinateur, graphiste, audio, même cinéaste, tout ce que vous voulez, la porte est ouverte. Auteur en liberté, c'est pas fait que pour les auteurs. C'est pour faire que tout ce qu'il y a autour aussi. C'est pour permettre, ce groupe est fait pour permettre justement aux gens de divers milieux de pouvoir réaliser des projets qu'ils n'auraient jamais pu se permettre de faire parce que justement on n'a pas l'occasion de pouvoir ou on n'est pas forcément au bon endroit au bon moment. Donc si on peut réaliser des projets, même que ce soit ce film, livre, dessin, n'importe quoi, qui puisse aider n'importe qui, vous gênez pas de vous proposer. D'accord. Ah, parce que moi j'en connais je connais là je suis avec des amis qui connaissent un peu des gens du monde du cinéma, qui connaissent un peu des gens de partout et justement on regroupe les personnes les plus humaines à ce niveau-là parce qu'on s'entraide tous, on veut tous apporter nos qualités comme nos faiblesses pour justement apprendre et avoir une meilleure aide derrière. Justement, je te parle un peu de Dream Workshop, eux ils veulent vraiment l'équité, les trucs équitables. Donc là, on se concentre sur les auteurs. Ça veut dire que s'ils veulent juste même qu'ils soient édités ou auto-édités, on fait pas de différence. S'ils veulent un suivi, par exemple, juste pour un accompagnement sur de la publicité ou juste pour corriger, même juste pour une bêta lecture, juste pour dire, tiens, tu me dis ce que tu en penses, si tu vois des choses à changer, nous, on va vraiment rester sur ça. Et au fur et à mesure, on va essayer de monter les paliers. Si on va essayer de faire des jeux de Oui. société plus tard, si on peut, je pense que dans 5 ans, grand max, ça pourra peut-être être possible, mais c'est vraiment toucher au monde du cinéma. Donc, on va peut-être pouvoir permettre à certains de réaliser leurs rêves, cinéastes. Et c'est des trucs qu'on va apporter au fur et à mesure. Là, on va vraiment toucher à tout, mais c'est juste le temps qu'on monte palier par palier pour éviter qu'on s'écroule et qu'on puisse faire les choses les plus humainement possibles.
Donc ça, c'est des personnes aussi que je te conseille de joindre si tu veux un peu plus, peut-être qu'ils pourront te renseigner sur des personnes à joindre. C'est Jessica Lavoie et David Landry. Ils ont quand même pas mal de connaissances, donc ils peuvent peut-être te renseigner aussi sur certaines choses. On Ah, va ça même en note, ça peut-être. c'est Ouais. Mais de toute façon, au pire, je t'offrirai une liste, je te les enverrai. Au pire, je ferai un groupe, je mettrai tout le monde. Je dis voilà, il y a telle personne qui voudrait vous renseigner, il n'y a pas de souci. Je ferai ça après. De toute façon, après, il faut que j'aille chercher ma femme en plus. Donc, c'est pas la porte à côté, mais c'est pas grave. OK. De toute façon, là, on va ça pose aussi qui me fait des signes là, parce que s'il faut qu'on aille faire la commande la Ah, commande là, il n'y a pas de souci. qui coûte de Bah, en plus tout en cas, plus cher, c'est ouais. effrayant. Bah, ils disent, on vous augmente l'argent, oui, mais les impôts augmentent, la bouffe augmente, l'essence augmente, les trucs augmentent. Donc au final, vous augmentez les payes pour quoi? J'avais avant une commande d'épicerie de environ 75-80 $, OK? Maintenant, et puis on est toujours juste les deux mêmes personnes, maintenant, 140, 160. Ouais, Wow. ça a presque doublé. C'est n'importe Pourquoi? quoi. Ben Pourquoi? c'est Parce parce que qu'ils disent qu'il y a l'essence. un trou dans l'économie, on vous fait chier, on va augmenter les prix. Je vais vous apprendre quelque chose, le Totalement. gouvernement. C'est pas en vous en mettant plein les poches que nous, ça nous aide. Loin de là. Vous êtes censé écouter le peuple, pas vous en mettre plein les poches, bande de crétins. Et oui, j'ai pas peur de le dire que le gouvernement sont des crétins. Les trois quarts des gouvernements mondiaux sont des crétins. Vous pensez à vous faire de l'argent sur les gens et vous nous servez de nous comme de la chair à canon. Excuse-moi, ça fait peur. Réveillez-vous, les gens! On est humain, tabarnak! J'adore ce mot, tabarnak. Pour moi, c'est comme si tu disais un schtroumpf, je vais te schtroumpfer. J'adore ce mot. Ah, mais moi, je le dis à chaque fois quand je vois un Québécois s'énerver et tout ça, je regarde, je fais, ah, mais vous êtes quand même mignon quand vous êtes énervé. Vous êtes toujours poli. Chez nous, on parle normalement, on te sort une flingue d'insultes. Je fais, mais vous nous trouvez rigolo. Je fais, ah, c'est vrai que c'est drôle. Mais ils sont pas bleus. Ils sont pas bleus, les autres. Ouais, mais c'est marrant quand je vois des Français qui disent, oh, j'aime bien voir les Québécois sacrés, nanana. Et quand tu vois les Québécois qui font, ah, vous, les Français, quand vous sacrez, c'est quelque chose, hein. Je fais, mais nous, on rigole. Je fais, bah ouais, mais tu m'étonnes. Surtout que la plupart des mots, quand nous, on s'agace, les mots qu'on sort, c'est pas des mots. En fait, c'est juste pour exprimer, une sensation. Donc, on sort plein de mots qui veulent rien dire. Mais comme vous n'êtes pas habitué au second degré, comme nous, on est habitué, bah, vous prenez direct non, non, on vous insulte pas. C'est juste des mots qui expriment une sensation. On est cons d'eux-mêmes. On n'est pas aussi polis et gentils que vous. Bon. En tout cas, merci pour ce live. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps, ni madame. Merci, madame. OK. Alors, on se voit un peu plus tard. N'y a pas de souci, on D'accord. se refera des lives avec plaisir. Bonne soirée, D'accord. bonne journée à toi. Bonne fin de journée, oui.